Ah, ça date, ça date, ça date. Yo les gens, j'espère que ça va. Désolé pour l'absence, je vais pas faire le mec. Je sais que j'étais absent. J'aimerais vous dire que j'ai des regrets. J'aimerais vous dire que ça se reproduira pas, sauf que c'est pas ma faute. Genre vraiment pas, c'est pas du tout de ma faute. Vous connaissez, là cet été j'ai eu 21 ans, donc je commence à prendre de l'âge, va falloir assurer le futur et tout ça. Donc c'est les études, c'est tout simplement les études. J'ai prévu de faire une vidéo là-dessus, donc une vidéo sur mes études, où j'en suis en ce moment dans ma vie, parce que j'en parle pas beaucoup. Et je pense que ça peut être un peu intéressant quand même. Enfin, je suis pas quand même qu'un mec avec des stickers. J'ai des études aussi, je fais des études. Donc j'ai prévu de vous faire une vidéo sur les études, une vidéo sur ça. Vous avez vu, j'ai changé un peu, enfin je vais vous expliquer ça plus tard dans une autre vidéo. J'ai aussi prévu de faire un petit haul parce que je me suis acheté quelques fringues sympas que je trouve vraiment pas mal, qui sortent un peu de ma zone de confort, donc ça peut être intéressant. C'est pas des chaussures, enfin j'ai acheté des chaussures aussi, mais je vais plus vous montrer les fringues dans le hall. En vrai, je suis trop content de reprendre là, ça fait grave longtemps. Mais YouTube, c'est trop bien en fait, c'est trop bien. J'adore parler à la caméra, j'adore monter, enfin tout ça. Enfin, je l'ai déjà dit, mais moi j'adore tout ça, donc ça m'avait manqué. Là, si vous vous demandez pourquoi j'ai une capuche, c'est pas pour faire le mec, c'est juste que en fait, je vais chez le coiffeur demain, et du coup, sur les côtés là, c'est pas ouf. Donc je préfère cacher. J'assume pas en fait, ouais, je suis une grosse tapette, c'est comme ça. Mais une fois que je serai coiffé, justement, ce sera la bonne occasion pour faire la vidéo sur mes cheveux, sur mon évolution capillaire, nanana. Mais aujourd'hui c'est vous qui êtes à l'honneur, genre je vous ai demandé sur Insta, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, suivez-moi. Je vous ai demandé de m'envoyer des photos de vos looks, c'est une vidéo qui a été faite et refaite par beaucoup de personnes, c'est je réagis au style de mes abonnés. Je crois que je vous en avais parlé il y a grave longtemps, genre il y a au moins 2-3 mois, mais avec les études, hein, donc ce sera détaillé dans la vidéo sur les études, mon parcours scolaire, pourquoi ça me prend autant de temps et pourquoi j'aurai moins de temps pour faire la vidéo. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet les gens avec la première personne. T'as vu ça, je me décale pour que vous puissiez voir l'œuvre là. Et je suis trop fier de ce nouvel emplacement sticker, ça là je sais pas ce que vous en pensez. J'espère qu'il vous plaît parce que il sera partie intégrante de certains de mes décors, donc j'espère qu'il vous plaît. Comme vous êtes pas beaucoup à m'avoir envoyé des tenues, je vais pouvoir vous faire un avis détaillé pour chaque personne. Donc on commence avec une fille, Dextekias. Donc c'est une tenue assez, je dirais sportswear. Le seul truc c'est que j'ai pas demandé à tout le monde de m'envoyer les détails de la tenue, donc bon, on s'en fout, on sort des détails, je vais juste vous donner mon avis sur la tenue. C'est un sweat à capuche suprême, un legging si je dis pas de conneries, et des Yeezy 350 V2 Zebra. Moi j'aime bien la tenue, j'aime bien l'ensemble, suite à capuche, jogging, enfin jogging, legging et zébra, j'adore, moi je suis fan. Mais le problème que je vois dans cette tenue, c'est que bon, j'aime bien l'effet bouffant du suite à capuche, de toute façon, suite à capuche, j'étais censé être à l'aise dedans. Je trouve qu'il est un peu trop long. Moi j'aime bien quand les vêtements ils définissent bien la silhouette, vous voyez ce que je veux dire. Et là, je trouve que le sweat aurait pu être plus court, ça aurait plus marqué la taille, et en plus, sur une fille, ça aurait fait plus sexy, je trouve. Mais bon, si je vais vraiment dans les détails, le logo suprême là en rouge rappelle un peu les écritures rouges des zébras. Moi j'aime bien. Bon, c'est pas un détail que tout le monde remarque forcément, mais bon, moi je trouve ça stylé. Enfin, le jogging, legging, ah ouais, c'est un indice à ceci. Bah, je remarque, c'est cohérent. Bon, c'est un bas tout ce qui est plus simple, mais moi j'aime bien. Non, c'est une tenue vraiment bien. Le seul problème que j'aurais donné, c'est la longueur du sweat à capuche. Plus court, ça aurait été plus stylé, je trouve. Et ensuite, nous avons Léo underscore JN qui m'a envoyé donc deux tenues. La première tenue, donc c'est un pull Balenciaga, des chaussures, easy, comme normal, je connais, et une montre Rolex. Il était content de me dire que c'était une montre Rolex. Haha, t'as remarqué la raison, hein. Si tu peux te faire plaisir, fais-toi plaisir. Moi je dis. Alors on est essentiellement sur une tenue black, hein. C'est une tenue totale black à part la montre et les inscriptions sur le sweat. Je trouve que le noir ça te va bien en vrai. Je dis pas ça pour beaucoup de gens, mais je trouve que ça va bien avec tes cheveux, ça va bien avec ta couleur de peau. Donc moi je trouve ça bien. Je vois pas vraiment la matière du jogging, mais il m'a l'air un peu souple. Après justement comme c'est une tenue assez sportswear, enfin qui m'a l'air assez sportswear du moins, je sais pas si la montre est vraiment adaptée. Je pense que tu aurais pu prendre une montre justement plus sportswear pour mieux matcher. Mais sinon le mélange de couleurs, surtout le noir et le blanc comme ça sur les bruns à la peau claire, je trouve ça rend trop bien. Ça s'explique pas, et je trouve que les bruns à la peau claire quand ils mettent du noir et du blanc, ça rend archi bien. Les couleurs te vont grave bien. Moi je sais que si je mets ça, ça m'ira pas aussi bien, tu vois. Donc c'est validé, le couleur j'aime bien. Après le seul détail que j'aime pas, c'est la montre. Et la deuxième tenue que tu m'as envoyé, c'est un pull Hollister, un jogging coq sportif et des Air Max 95. Tu crois. Tu crois. Donc bon, tu sais pas si c'est des Air Max 95. Ouais, ça te fait des grands pieds, je trouve. Ah, en plus, devant la tombe d'excentation. Wow. Putain, je vais tellement pas m'engager sur ce sujet là, il va y avoir trop polémique. La photo est stylée, je trouve la photo vraiment stylée. Après, les chaussures, je trouve qu'elles te font d'assez grands pieds là. Pourtant, de base, c'est pas un effet qui me dérange, surtout chez les mecs. Mais là, je trouve qu'on voit vraiment la longueur des pieds. Enfin, c'est juste ça qui me dérange un peu. Le sweat à capuche camouflage, moi je suis archi fan. Le motif, j'adore. Ça rend vraiment bien. Avec la casquette, ça rend bien aussi. En plus, il y a une partie rouge sur la casquette qui rappelle les lacets rouges. Ou les lacets rouges de tes chaussures, ça c'est un bon détail, j'aime bien. La pose, on valide. Ça fait une pose un peu mystérieuse, j'aime bien, même si j'aurais préféré qu'on voit ta tête. Mais sinon, la photo, j'aime bien. La photo, j'aime bien. La tenue, j'aime bien. Bah, en fait, il n'y a pas grand chose que j'aime pas, à part. Ah, si, si.
Bah juste les chaussures qui te font de trop grands pieds, je trouve. Mais c'est que mon avis, c'est du détail. Troisième personne, nous avons une femme caméra qui m'a envoyé plusieurs photos et qui m'a demandé de choisir parmi ses photos. Ah, elle est trop chiante. Mademoiselle avait la flemme de choisir, donc elle m'a demandé de choisir parmi ses photos. Genre j'ai trop de photos, genre je sais pas laquelle choisir, je les aime toutes, elles sont toutes trop bien. La fille a la qualité, tu connais. J'ai choisi celle-là. Alors c'est une... Du coup elle m'a pas donné les détails de la tenue, mais je vois une paire de Vans Old School, noire, classique, que tout le monde a. Un petit pull mauve rentré dans une jupe. Le motif, je sais pas ce que c'est, désolé. Et une veste en cuir type perfecto portée sur les épaules. Un petit chapeau pour saupoudrer le tout. J'adore. J'adore. De toute façon, cette fille, j'arrête pas de lui dire que j'aime bien son style. Donc bon, j'aime vraiment beaucoup. Les couleurs, je surkiffe. Le petit pull mauve là qui fait des rappels avec les couleurs de la jupe. Moi je surkiffe, je suis archi fan. La veste en cuir noir qui match les couleurs de la paire de Vans Old School. Moi j'ai rien à dire. Il y a même un petit bracelet, non franchement, t'as géré. Même si t'es chiante, t'as géré. Le petit chapeau en plus, le côté décontracté, je trouve ça va trop bien avec le style de la tenue. Ça fait un peu bah dandy mais au féminin, tu vois. C'est une tenue propre, c'est une tenue que ouais, je valide à 100%. Là franchement, c'est pas parce que c'est ma pote mais je vois aucun défaut. Ensuite nous avons Marlon qui nous envoie une photo. Donc Marlon, bah c'est mon cousin. Donc il envoie fort avec la paire, bah une paire que j'adore, une paire iconique, c'est les Puma RSX Toys. Multicolore comme ça, j'adore cette paire. Un jogging, je pense que c'est un bad jogging. Excuse-moi gros si je te déconnerais, mais je pense que c'est un bad jogging. Un t-shirt qui m'a l'air un peu oversize, même si mon cousin est déjà archi balèze, mais il rend quand même oversize sur lui, tu vois. Donc ouais, je pense qu'il est oversize. Donc il a l'air un peu néon, un peu vert néon. Donc c'est une couleur qui était genre très tendance l'année dernière. Moi j'aime beaucoup cette couleur, même si je n'osais pas trop la porter parce que j'avais pas trop de chaussures qui iraient avec. Mais là, j'ai acheté, bon, ça n'a rien à voir, mais j'ai acheté une paire de chaussures qui ira bien avec, donc je pense que je vais faire une petite tenue là-dessus, je vais la poster sur Insta, hâte de voir ce que vous allez en penser. Donc ouais, le t-shirt néon, je valide. Le t-shirt oversize en plus sur lui, ça rend bien parce que bah, il est stock, il peut se permettre. Et il a pris une banane. J'avais fait une vidéo où je disais, où je descendais les bananes plus bactères, alors je disais que c'était archi moche, que ça apportait rien. Enfin, pas aussi méchamment, mais genre je disais que ça apportait rien. Non, non, non. Je sais pas, peut-être que je sais pas le porter, mais j'ai pas de dégaine en fait, il y a pas de... Honnêtement, vous me direz peut-être que je sais pas la porter, mais moi je trouve qu'il y a pas de dégaine. Enfin, il y a pas de. C'est pas. Je me dis pas, waouh, enfin, j'aime pas. Non. J'ai changé d'avis, hein. Il y a que les yeux qui changent pas d'avis, t'as vu. J'ai peut-être en acheter une. Ouais, je vais peut-être en acheter une parce que j'ai trouvé bah, justement une tenue qui pourrait bien passer avec. Ouais. Ouais. Après, tu vois, faut essayer. S'il y a un truc qui te plaît pas, après tu reviens dessus, t'as le droit, tu changes d'avis. Enfin. Avance quoi, tu vois, faut pas rester bloqué sur un avis, il faut essayer d'un peu évoluer. Donc là j'ai évolué et je trouve que les bananes sont stylées. Et là je trouve que ça rentre très bien dans la tenue, je me suis un peu égaré. Je trouve que les couleurs lui vont très bien, je dis pas ça parce que c'est mon cousin, mais je trouve que les couleurs lui vont très bien. On dirait qu'il y a du néon dans la fontaine, enfin c'est la photo, j'adore. Et les couleurs j'aime beaucoup aussi. Donc là je vois pas trop de défauts. Ah si, j'aurais peut-être kiffé encore plus si le jogging arrivait aux chaussures. Pourquoi, je ne sais pas, mais je pense que ça aurait rendu encore mieux. Voilà, c'est tout mon gars. Sinon t'es stylé, enfin je te trouve stylé. Ensuite nous avons Thiago.ms. Alors ça fait trop plaisir de recevoir une photo de toi parce que t'es un abonné qui date. Donc ça fait grave plaisir. En plus il est au top, il a vraiment détaillé la tenue. Donc nous avons une banane Nike à 20€, un t-shirt Nike à 20€, un pantalon Nike à 50€ et les chaussures Adidas à 100€. Bon, alors la tenue. Bon, alors je sais que lui il est brun à la peau claire aussi. Donc, comme je vous dis, moi les bruns à la peau claire, le noir et blanc, je trouve que ça rend archi bien. En fait, je pense que vous êtes les personnes à qui ça va le mieux. Je sais pas pourquoi. Donc, après la tenue, c'est une tenue simple, hein. On va dire une tenue assez simple. Les couleurs, donc des couleurs sobres qui te vont très très bien, je trouve. Le seul problème pour moi, on va dire que je chipote. Bon, c'est une tenue sportswear, c'est clairement une tenue sportswear. Mais je pense que ça aurait mieux rendu si t'avais mis des Nike au niveau des chaussures. Voilà, c'est tout. C'est du détail, mais je pense que ça aurait été vraiment nickel si t'avais mis du Nike. Ou sinon, tu remplaces tout le Nike au-dessus par du Adidas, enfin t'as capté, mais genre, rester cohérent dans la tenue. Je pense que ça aurait été mieux. Mais sinon, vraiment, je trouve que c'est une très belle tenue. Et pour le coup, d'ailleurs, c'est cette photo qui m'a donné envie d'acheter une banane. Donc, si à l'avenir, je fais des tenues réussies avec des bananes, je penserai à toi. Nous avons ensuite Jules CT. Bon, il a voulu cacher sa tête. Un haut à sauce, une banane Bershka, un jean Bershka, des chaussettes Fila. Et une paire de Young One Cloud Shore. Je connaissais pas le nom, mais merci de me l'apprendre. Alors la tenue, disons que les couleurs sont sobres, les couleurs sont propres, il n'y a aucun souci, les couleurs sont bien. Le problème pour moi, je vais être brutalement honnête, c'est les matières. Je pense qu'à quelques détails près, tu as la même morphologie que moi, c'est-à-dire que tu es mince. Donc je pense que tu as la même envie que moi, c'est-à-dire étoffer un peu ta silhouette. Je pense que tu penses que ça rendrait mieux si tu avais le torse plus balèze, tu vois ce que je veux dire. Donc, à l'avenir, pour tes tenues, moi je te conseille de mettre un sweat un peu plus bouffant. Parce que là, c'est une matière fluide. C'est une matière qui, je trouve, rend vraiment bien sur les gens qui, justement, ne sont pas fins. Donc, je pense qu'il faut apprendre à connaître son corps et apprendre à connaître ce qui nous va le mieux. Donc, nous, je dis nous parce que c'est toi et moi, je pense que les personnes fines, ça va vraiment bien les vêtements qui
étoffe la silhouette. Par exemple, les bombers ou les suites oversize, enfin les trucs qui vraiment donnent de la carrure au buste. Je pense que ça aurait bien rendu, surtout que t'as les jambes fines, ça aurait fait un bon contraste et la silhouette en V. À part, sinon t'as fait un rappel entre les chaussettes et le sweat, et aussi la banane qui est noire, enfin tout est noir au-dessus, et les chaussettes sont noires. Perso, j'aurais pu faire ça, mais j'aurais peut-être mis des chaussures noires, du coup, ou un jean noir. Mais juste les chaussettes noires comme ça qui ressortent parce que ça fait un rappel avec le haut, ça je trouve ça assez particulier et je suis pas vraiment fan. Mais sinon le reste des couleurs, le jean bleu j'aime bien, et les chaussures, les Young One, j'aime bien aussi, la couleur j'aime bien. Donc sinon juste pour conclure pour cette première tenue, parce que tu m'as envoyé deux tenues, cette première tenue, ce que j'aurais changé c'est l'épaisseur du sweat, j'aurais pris un truc un peu plus bouffant, un peu plus, qui donne un peu plus de carrure, parce que t'es fin comme moi, et j'aurais mis des chaussures noires, si tu voulais absolument mettre des chaussettes noires. Voilà, la deuxième tenue, nous avons un pantalon et un t-shirt H&M, des chaussettes Bershka, le même jaune que le t-shirt, tu m'as bien précisé ça, et la paire de Young One. Alors ça, je suis beaucoup plus fan, j'aime vraiment beaucoup plus. Alors le t-shirt jaune, je trouve qu'il te va très bien, la couleur, j'aime vraiment beaucoup sur toi. Un écho avec les chaussettes, je valide, j'adore ça, je trouve ça vraiment bien pensé, et je trouve que les couleurs vont très très bien ensemble. Le pantalon fluide, je trouve qu'il te va archi bien aussi, les baskets aussi. Donc, franchement, les couleurs de cette tenue, je suis archi fan. Là, pour le coup, je vois aucun défaut. Après, juste, si je chipotais, j'aurais peut-être mis une petite montre, tu vois, la petite montre blanche que j'ai comme ça. Un petit truc blanc ou un petit bracelet ou quelque chose, tu vois, pour vraiment agrémenter le tout, pour finaliser la tenue. Mais franchement, les couleurs, je suis archi fan, c'est grave bien fait. Allez, j'ai pas vu la bouteille d'Ice Tea. Juste pour ça, tu pars des fois. Non, je déconne, mais j'aime vraiment pas l'Ice Tea. Mais sinon, dans la tenue est top, rien à dire à part sinon le petit détail, le petit bracelet, le petit accessoire, le petit truc qui finalisera la tenue. Mais franchement, j'aime beaucoup cette tenue. Je préfère nettement celle-ci à la première, donc vraiment bien vu. Et la dernière tenue nous a été envoyée par Nathan64.d. Alors nous avons un pantalon de la marque Uniplay, un t-shirt de la marque Eline 5, je connais Eline 5, des chaussures Adidas Flux noir, je connaissais pas, et c'est tout. Donc le t-shirt j'aime bien, je trouve qu'il te va bien, il a l'air un peu long, un peu oversize, j'aime bien. Le pantalon j'aime beaucoup, le motif aussi j'aime bien comme ça. Les couleurs en fait de la tenue sont sobres tu vois, mais... comment dire, les fits des vêtements te vont bien. Les chaussures qui sont en raccord avec le t-shirt, le pantalon, les pantalons à carreaux comme ça en ce moment, je suis archi fan, je sais pas ce que j'ai, mais j'adore. Un petit bracelet au niveau du poignet droit et une montre au niveau du poignet gauche, si je ne dis pas de conneries. Ouais, ça m'a l'air d'être ça, le pantalon est un peu retroussé, qui laisse la cheville apparente. J'aime bien. En fait, cette tenue, il n'y a aucun défaut. C'est vraiment chiant qu'il n'y a aucun défaut parce que j'ai rien à dire, mais ouais, non, ça te va bien, ça te va bien. Je te trouve propre. Carrément une tenue dont je pourrais m'inspirer. Non, j'aime bien. Les couleurs sont sobres, c'est bien maîtrisé, la photo est vraiment carrée, la photo est propre. Après, pour le fond, j'essaie vraiment de trouver un truc à critiquer parce que pour le coup, la tenue est nickel, j'ai rien à dire. Le fond, je pense pas que ce soit trop adapté, enfin que ça se prête trop à la tenue, parce que c'est une tenue qui m'a l'air un peu, ok, un peu street, mais habillé, tu vois ce que je veux dire, surtout avec le pantalon ça m'a l'air plus habillé, donc je pense que t'aurais pu faire ça plutôt en ville, ça aurait été encore mieux. Après encore une fois j'essaie vraiment de trouver un truc à critiquer, sinon c'est pas drôle, mais enfin, ta tenue est vraiment propre, bon, ta tenue est bien, j'ai rien à dire sur la tenue en fait, la tenue est vraiment bien, donc merci pour l'idée, merci pour l'inspi, tu gères, continue comme ça. Donc voilà les gens, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les personnes qui sont passées dans ma vidéo, j'espère que mes commentaires vous auront plu, c'est vraiment bon enfant, hein. Je donne juste mon avis, donc faut pas le prendre mal si je dis quelque chose de mal en moment, j'essaie de rester correct, j'essaie de m'exprimer correctement, donc j'espère n'avoir descendu personne, j'espère n'avoir heurté personne, j'espère n'avoir blessé personne, parce que c'était vraiment pas le but quoi. Je vous remercie de m'avoir envoyé vos images, ça fait grave plaisir, c'est les 7 personnes qui m'ont envoyé des photos, alors que pour le coup quand j'avais demandé qui voulait participer, il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient participé, mais après quand il faut envoyer des photos... Ça assume moins. Je sais qu'il y en a qui ont dit qu'ils attendaient des vêtements pour m'envoyer la photo et ils ont pas reçu les vêtements à temps ou sinon ils ont oublié. Enfin, je pouvais pas relancer toutes les personnes qui m'avaient dit qu'ils m'enverraient des photos plus tard. Donc c'est pas grave, hein. Je ferai d'autres éditions si ça vous intéresse toujours. Donc vraiment ça fait plaisir et ceux qui sont pas abonnés à mon compte Insta et qui veulent participer à ce genre de vidéo, bah allez vous abonner, hein. C'est Quentin TNG, bah, comme le nom de ma chaîne. Sauf que là c'est tout attaché. Je vous l'indique quelque part, je vous l'affiche quelque part, enfin comme d'habitude. J'espère que vous me rejoindrez là-dessus, ça me ferait grave plaisir. Portez-vous bien. Tchuss.